Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Bloodborne. Donc on avait été dans un endroit assez spécial qui s'appelle Yharghul je crois. Et donc on allait affronter un boss. Donc j'ai amélioré mes armes, je suis passé au niveau arme de feu du coup avec la silence. Je pense qu'on va faire pas mal de dégâts, j'ai modifié quelques runes aussi. Je crois que c'était ici du coup, hein, dans les jaunes hypogènes il me semble. J'ai quand même 8800 points. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Au moins, si on les perd, on s'en fiche. Mais voilà, on verra bien un peu ce que ça donne avec, pardon, avec le boss. On va essayer d'y aller directement. Parce qu'il y avait deux grands bonhommes qui étaient pas loin. Donc on va essayer de les esquiver si on peut. Oula. Ah ouais, ok, ils rigolent pas en eux. Hein. On les entend de loin, hein, ceux-là. Ça, on les avait vus. Donc ça, c'était bon. Et du coup, en fait, le boss... C'était pas par ici, le boss? Il ne sera pas de ce côté. Bah je ne sais plus où c'était en fait. Je crois que c'était par là. Ou pas. Par là c'est la sortie, on est d'accord. Je crois que c'était en bas en fait. Je ne sais plus où c'était. Alors c'était pas tout droit. Hein. Ça, j'en suis... Non je crois que c'était en bas, il fallait redescendre je crois il me semble. Hop. Il m'a fait peur, lui. Ok, on a un fragment, c'est chouette. Bah alors, ça devait être par là. Vous voyez, on fait quand même pas mal de dégâts avec... avec l'arme de feu. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et là-bas, du coup, on a les deux grands gaillards, du coup. On va essayer d'aller au boss. Ça me fait un peu flipper. Mais bon, tant pis, on verra bien. Est-ce que j'ai encore mes papiers de feu? C'est pas ça que je voulais. J'ai fait une connerie, c'est pas grave. Autant se soigner. J'ai encore mes papiers de feu. Ouais, mais comme j'ai une arme de feu, est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas trop. Ok, on va les liquider, ceux-là. Sinon, ils vont être un peu chiants. Putain, on fait pas mal de dégâts avec ça. C'est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, on va y aller. On a 10700 points. C'est pas trop grave. Ouais non, écoutez, hop, putain. Je les avais oubliés moi, hein, ceux-là. C'est vrai qu'ils ont une énorme portée. On va quand même se soigner en vitesse. Voilà, et donc on a une bestiole qui est là. Hop, bah, je suis descendu. Je suis descendu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a appelé le Renégat. Mental, non. Ouf, ok, on a 18 fioles, ouais, ça devrait aller. Allez, du coup, on y va, c'est parti. Oh putain, c'est un boss de foudre, ok. Il fait mal, hein. On va essayer de foncer dans le tas. On va essayer de résister un max. Il fait quand même bien mal. Hein. Est-ce qu'on a des cocktails Molotov? Moi, je suis pas sûr qu'on a des cocktails Molotov. Ah, c'est un peu chaud. Hein. Et donc c'est par le sombre bête. Ok. Ah, il fait mal. Hein. Je sais pas si avec des cocktails Molotov on peut s'en tirer. Ok. Ça va être un peu compliqué tout ça, dis donc. Mais bon. On va quand même essayer de le choper. Je vais essayer d'aller dans... Dans mon inventaire, je crois que j'ai encore des cocktails Molotov. J'ai pas dû le mettre en... En truc rapide. Ouais, ça doit être ça.
Ah non, j'ai plus de cocktail. Si, j'en ai encore normalement. Papier de feu, j'en ai pas besoin de papier de feu au final. Ok, j'ai pas de cocktail Molotov. Bon, écoutez, on va aller en rechercher. J'ai encore de la rose, la rosée de Nécrosant. Hein, donc, les points pour l'instant, on s'en fiche. Donc, j'ai besoin de 300. Je crois que c'est 380 les cocktails. Donc, pour 10, bon, à 3800. Je sais même pas si je peux en avoir du coup. Inventaire. Voilà, rosée de Nécrosant. Je peux en utiliser deux ici. Ouais, ça m'en donne 1000. Ouais, pourquoi pas. Obtenir des objets. Cocktail Molotov. Je peux en avoir que deux. Ils ont augmenté les trucs, non? C'est 380. Ok, alors ça c'est un peu compliqué. Par contre. Ah non, c'est bon. On va en utiliser 4. Du coup. Hop. Voilà, là, je peux en choper. Cocktail Molotov. Ok. Et donc là, on est bon. Là, on est bon. Du coup, on va se mettre ça dans les trucs ici. Et puis, bon, on est reparti. Hein. On est reparti. Alors, c'était ici, hein, je crois. Donc, parle sombre bête, ok. Allez, on part sur l'essai. L'essai numéro 3885, partie 2. Ok. En fait, je serais un peu tenté de t'appeler. Ouais, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je suis pas trop certain. On va essayer de le choper comme ça. On va continuer, je vais essayer de. Allez, hop, une fois. Il est chaud quand même. Hein. Et mon copain. Oh. Ah, j'ai compris le truc. Putain, j'ai compris le bazar, quoi. Ah, ok, là par contre tu te soignes. En fait il peut tomber, ok, on peut lui faire perdre l'équilibre et ça c'est bien. Attends, parce que moi je vois rien du tout. Ok, on peut vraiment lui faire perdre l'équilibre, ok, j'ai compris le truc. Ok, là par contre t'as intérêt à te soigner, j'ai pas envie de mourir encore. Il me reste 12 fioles, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. Oh. Putain, avec tout ce qu'on lui met, il devrait quand même. Wow. J'ai pas envie de me soigner là, s'il te plaît. Ok, non, je ne suis pas. Ok. Putain, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, on pouvait y aller. Ok, non, j'ai plus d'endurance. Hop. Pas de panique. Pas de panique, tout va bien. Voilà, j'ai de l'endurance. Allez, il reste pas grand chose. Hein. C'est bon? Oh, c'est bon. Ouh. Oh, génial. Ah, putain, ça y est, enfin. Bon, par contre, j'aurais perdu beaucoup d'écho. J'ai fait 3 essais. Je vais pas vous mentir, j'ai fait 3 essais. C'était un peu compliqué, mais ça va, tout va bien. Ok. Ouf. Ah bien, 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 bien. Ok, on a 7 points. On a 7 points. Donc j'ai activé la lanterne, je sais pas du tout où on va. Mais tant qu'à faire. Ok.
Ah, on est là! Ok! Ça, c'était la porte en fait où on. Ouais, bon, bah du coup, on est là. Ok, parfait. Du coup, là, si je me souviens bien, il y a deux loups-garous. Ah, ok, c'est ça. Et donc, comme j'ai une arme de foudre. Enfin, de feu, pardon. Ah ouais, putain, on voit quand même la différence. Hein. C'est vraiment cool. Hop. Oula, 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 ok, il y a... Ah oui, d'accord, et ça flambe. Oh, bah c'est génial, putain. C'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Ah, mais du coup, c'est quoi là-bas? Ah oui, d'accord, non, c'est le loup-garou de l'église. Ok. Enfin, c'est lui qu'on avait, avait... En fait, je suis en train de me demander... Par là, on fait demi-tour, donc ça sert absolument à rien de passer par là. Donc on va repasser par ici. Putain, c'est génial quand même. Wouh! C'est chaud quand même, hein, les boss comme ça. On en a encore un qui est pas loin. La boss du, le boss du vieux... pas du vieux Herman, mais du faucon de Herman. Casse-toi, bestiole. Donc on a quand même pas mal de choses à faire. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est... Passer par ici. Attends, on sait bien que tu es là. Est-ce que tu lootes un truc? Non. Toi, tu lootes rien. Donc, on va essayer de remonter. Pas par là. Ah, je crois que l'autre il arrive. Non, il a pas d'air. Ok. Je crois que c'était par ici. Hein. C'était par ici. Ah, mais du coup, il y a le chasseur qui a encore me tiré dessus. Pas. Pas parce que je crois qu'à un moment donné, il tire plus dessus. Mais je pense que c'est en tuant le boss, il me semble. On va essayer d'aller le voir, hein. Ouais, on va voir ce qui se passe. Hein. Bon, j'ai un peu peur pour mes points d'écho. Bah on va aller checker, on va voir un peu si on peut lui causer. Mais je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il ne te tire plus dessus. On verra bien. Je suis pas vraiment certain. Mais on verra. D'ailleurs, je pense que c'était pas par là que je vais aller. Je vais mettre quand même du soin, on ne sait jamais, j'ai pas trop envie de me faire tirer dessus. D'ailleurs, je pense qu'il y avait une échelle hein, pour aller le voir. Putain, j'aime bien parce que je one-shot tous les ennemis. Franchement, c'est top. Alors attention à lui. Putain, il fait vraiment des dégâts de... Donc on va essayer de courir. J'ai pas envie de... Il a pas l'air de me tirer dessus. Donc je sais pas trop en fait. Hop, on va passer par là. Alors attention ici. Je sais qu'il y en a qui vont tomber. Ok, non, ils ont pas envie de... Ah. Non, non, ok, je me fais des films. Tout va bien. Ok, donc toi. Alors attention. Parce que... empoisonne. Eh ben, c'est un truc de dingue. Cocktail Molotov, tiens. Ça. Ah, il a vraiment plus l'air de... Ah, si, si, si. Ok, j'ai rien dit. J'ai peur. On va quand même aller voir, on va quand même aller voir parce que je suis pas vraiment. Doucement, doucement, doucement. Doucement, il est encore là lui. Ok. Mais ils viennent tous ou quoi? Putain, ils sont flippants. Bon, moi je perds moins de vie, c'est déjà pas mal. Écoutez, on va les laisser là, eux, pour l'instant. On va passer là-bas. Hein. Passer là-bas, hop. Doucement, 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 doucement. Oh, copain. On va se calmer tout de suite. Tu sens qu'ils ont envie de te suivre. Ouais. Hop. Non, t'as pas intérêt à me tirer dessus. Lui, il tire dessus même à distance. Donc, c'est pas lui, hein, le chasseur. Donc, c'est l'autre là-haut. Donc, on va aller le voir. On va essayer. On va aller voir s'il est calme quand même. Parce que j'ai pas trop envie de lui tirer dessus. Donc, c'était cette échelle-là, je crois. J'avoue que j'ai un peu peur. Bon, on va voir un peu ce qu'il va raconter. Ou pas. Est-ce qu'il me tire dessus? Putain, la flippe, quoi. Je ne te tire pas dessus, Coco. Ah non, il a envie de me tirer dessus. Tu sens que... Avec un smoke de cocktail Molotov. Ok. Donc, il a pas envie de me voir. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je lui ai rien fait. Mais il veut pas me parler, d'accord, pourquoi pas. Peut-être parce que je suis monté une fois le voir sans le vouloir.
Voilà, bon, je suis retourné au raid du chasseur. Bon, j'avoue, je comprends pas pourquoi il me tire dessus. À mon avis, c'est parce que je suis allé le voir la première fois et qu'il m'a tiré dessus. Donc, à mon avis, il veut plus rien savoir, le type. Bon, c'est pas grave. On a plus que 8 fioles de sang. C'est pas énorme. Je vais pas en racheter. Moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais aller farmer quelques ennemis dans le centre de Yharnam. Ils en donnent pas mal, donc c'est plutôt cool. On va se laisser là pour cette courte vidéo, du coup, sur Parle Sombre Bête. Et puis, je pense que dans le prochain, on saura certainement l'autre boss, du coup, qui nous attend. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut à tous!